Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour ce second épisode de mon Let's Play de NES Remix 2. Donc comme prévu, normalement aujourd'hui on va s'attaquer à Dr. Mario. Je vais voir s'il n'y a pas quelques niveaux, comment ça s'appelle, des niveaux classiques, là, enfin un NES Remix. Des niveaux Remix je crois, voilà, des niveaux Remix qui ont rapport avec Dr. Mario. Non, apparemment non. Donc normalement ça devrait pas être très long parce que Dr. Mario, ouais voilà, c'est typiquement le genre de truc où il n'y a que 6 stages. Mais on avancera un peu dans NES Remix 1. Alors, donc, en gros, ce qu'il faut faire, c'est aligner 4 trucs de. Enfin, 4 gélules de la même couleur pour faire disparaître les virus. Et en gros, bah voilà, vous voyez le virus bleu, donc comme ça on aligne 4 et ça le détruit. C'est réellement du Tetris, hein, y a rien de bien sorcier. Donc là. Bah mince. Ah, j'ai un peu paniqué quoi. Alors, ouais, ok, c'est vrai qu'on peut juste le descendre comme ça, et c'est bon. En fait, j'ai voulu faire un truc compliqué alors qu'il n'y avait pas besoin. Éliminer tous les virus, donc là c'est un peu plus compliqué, parce que là en fait, il va falloir éliminer... Ok, donc ça c'est bon. Oula, on n'a pas énormément de temps pour faire un truc pas super simple. Ok, donc là on peut faire comme ça, maintenant. Il faudrait que j'essaye d'éliminer là comme ça. Là comme ça. Ouais, c'était peut-être pas la meilleure solution. Ouais, si, ça va le faire. Maintenant, il faudrait des rouges, par contre, parce que sans rouge, ça va pas le faire. Allez, des rouges. Mais, voilà, moi, vu la chance que j'ai jamais les couleurs qu'il faut quand il faut. Mais, non, mais là, par contre, ça va pas le faire du tout. Oula. Mince. Oh non, je les avais détruits. Oh, mon dieu, mais normalement, c'est pas difficile, on est qu'au premier niveau. Comment je fais pour pas y arriver, quoi, déjà. Bon, on va essayer une autre tactique, mais... En fait, j'arrive pas trop à comprendre. Ouais, là, le jaune, il me sert pas à grand chose. À la limite, on peut faire comme ça. Ah bah voilà, ok, on peut détruire le rouge dès le début. C'est bon, maintenant, faut détruire le bleu et ça va être fait là. Ouais, non, je m'étais trop compliqué la vie en fait la dernière fois. Le truc était assez simple. C'est juste moi qui ai voulu faire un peu autrement. J'ai voulu commencer par le bleu alors qu'il fallait commencer par le rouge. Bon, bah c'est bon, c'est fait. Oh, un petit champi. Alors. Donc là, on continue. Par contre, je sais pas si je vais vraiment vraiment les finir parce que je suis quand même pas très très bon au Dr. Mario. Là, bon, si vous voulez, mais mince, c'est pas le bon sens. Non, c'était le rouge qu'il fallait faire venir, je crois. Ouais. J'avais pas trop compris. Voilà, c'est bon. Alors, on continue. Donc là, glisser une gélule jaune, hein, tout bêtement. Cette musique, pour ceux qui ont joué à Super Smash Bros. Melee, ça doit quand même vous rappeler quelque chose. Parce que... Oula, ça c'est pas simple. Parce que Dr. Mario était un personnage jouable et c'était la musique bah, de son niveau, justement. Et d'ailleurs, le remix qui avait été fait était pas mal. C'est Fever, je crois qu'elle s'appelle cette musique. Il y a deux musiques dans le jeu, il y a Fever, Chill... En fait, il y en a trois. Il y a Fever, Chill et Weird. C'est les noms des trois virus, en fait. L'un s'appelle Weird, l'autre Fever, l'autre Chill... Mais en gros, il n'y a que Fever et Chill qui sont cool, Weird, enfin, je l'ai complètement oublié, tellement c'est... Enfin, ça n'a rien d'exceptionnel. Alors, éliminer deux virus d'un coup. Pourquoi pas, mais ça va pas être avec ça qu'on va le faire. Ah, ça Ok, j'allais dire c'est une autre musique, mais en fait, non, je crois pas. Éliminer deux virus avec une réaction en chaîne. Allez. C'est un peu donné pour l'instant. Éliminer quatre virus avec deux réactions en chaîne. Oula. Voilà, non. Là, par contre, ça le fait pas du tout. Ah ouais, ça le fait pas du tout. Là, je vais faire aucune réaction en chaîne. Ah, je comprends, ok, d'accord. Non, ça va pas le faire, là, par contre. Non, j'ai perdu, là. Je peux pas restart, je restart d'où, là? Ah, du début, mince. Bon, ok, tant pis. C'est pas grave, de toute façon, on les connaît, les premiers. Voilà. C'est chaud, quand même. Allez. Voilà. Voilà, vraiment, surtout je les connais, c'est bon. Donc là, il va falloir détruire le rouge qui est là, voilà, pour détruire le bleu qui est là. Maintenant, il faudrait un jaune. Ça, ah voilà, c'est bon, il est là. En fait, c'est perturbant le fait qu'il y ait deux rouges là. Ça nous... Enfin, ça perturbe, justement, c'est fait exprès. Ouh là là, tous les virus avec une réaction en chaîne. Oh, bah c'est simple. Enfin, je crois. Ouais. Ouais, ok, c'est bon. C'est stylé, j'ai jamais fait un aussi gros combo dans ce jeu.
Alors, bon, on s'en sort bien en fait, plus que je ne le pensais. C'est assez simple quand même comme jeu, ça devient dur quand ça va super rapidement et quand il y a plein de virus, mais sinon c'est pas... il y a plus dur quoi. Donc obtenez 1000 points. Ouais bah... bah vas-y, ok. Je sais pas pourquoi il avait pas tiré. Ouais... non, descends, je m'en moque. Voilà, là, il n'y a pas de bleu-jaune, tant pis. Alors, le rouge. Ici, allez. J'essaye de faire une réaction en chaîne, mais... pour l'instant, je vois pas trop où. Ouais, j'aurais peut-être pas dû me débarrasser de lui, tant pis, c'est fait. Ah là, ce jaune, par contre... et je vais mettre trop de points, là. Enfin, je vais mettre trop de temps, je voulais dire, trop de points. Voilà. Alors, bon bah on continue comme ça, hein. Comme je dis, c'est vraiment pas la meilleure manière, mais bon, tant pis. Il faudrait un rouge-bleu, là. Alors, ouais, non, ça je m'en moque un peu. Heureusement qu'il n'y a pas de timer, hein, mais je vais avoir une seule étoile, vous allez voir. Oula. Bon, par contre, il y a tout, sauf celui dont j'ai besoin. Hein. Mais vraiment tous. Pfff, c'est incroyable. Ouais, c'est une blague. Bah, y a pas non plus 3 milliards de combinaisons. Hein. Mais pourtant, il me redonne jamais celui que je veux. Bon, au final, j'aurais dû m'en occuper plus tôt, comme ça, au moins j'aurais eu des points. Non mais... oh, ah bah voilà, enfin. J'ai une chance, comme pas possible. Voilà, j'ai gagné 2 points, mais j'ai mis tellement de temps. Enfin, 200 points, mais j'ai mis tellement de temps. Oh, 3 étoiles. Alors là, je suis étonné. Enfin, on va pas se plaindre, mais je suis étonné quand même. Alors, bah, on arrive au stage 5. Super. Ouf. Alors. Ouais. Super. Alors là, par contre, c'est pas une bonne couleur. Non, bon, tant pis. On va le mettre là-bas. Oula. J'aurais peut-être pas dû, en fait. Mais bon. Ouais, bon, j'en sors pas super bien. Ouais, non. Mince. Tant pis, j'ai trop mal joué. J'ai trop mal joué, vraiment. Tant pis. Ah non, c'est bon, là, en fait. J'en sors pas mal. Enfin, pas mal. C'est pas ouf ouf non plus, mais... au moins, j'en sors mieux que je l'aurais cru. Là, ouais, c'est bon. Il tombe bien, lui. Parfait. Oh, en plus, là, je vais mettre le bleu. Par contre, les rouges, là, tant pis. Hein. Bon, ils m'ont été quand même à moitié utiles. Tant pis, on s'en moque. Alors là, le jaune, on peut le... bon, on va le mettre là. De toute façon, il est pas non plus super utile. Oula, voilà, c'est bon. Il me faut un rouge, donc on l'a. Ça a été quand même bien fait. Hein. Le level design a été bien fait, là. Donc, peut-être encore 3 étoiles, non? J'ai pas mis trop de temps. Ah, mince, fallait mettre moins d'une minute, je pense, pour avoir 3 étoiles. C'est pas grave. On a fait quasiment sans faute jusqu'à maintenant. Je crois qu'on a même eu un arc-en-ciel. Je crois. Je suis pas sûr. Je vais revérifier quand même. Ouais, on a mis un arc-en-ciel. Alors. Là, c'est éliminer tous les virus avec seulement 9 gélules. Ouf. Ouais. J'aime vraiment pas ça. Voilà, j'ai gâché une gélule. Ouais, il en reste plus beaucoup là, Jellul, ça le fait pas du tout. Non, je ne crois pas que j'y arrive. Ça dépend quel Jellul il me donne, mais... ouais, non, tant pis. Ouah, c'est chaud quand même. C'est super chaud. Là, je vois pas d'autre moyen que de faire ça. Ah oui, ok, d'accord, je vois. Je comprends un peu. Ah bah non. Non, je comprends pas du tout. On peut pas inverser les gélules, je crois pas. Hein. Je crois pas qu'on puisse inverser les gélules. C'est vrai que ça arrangerait tout, mais on ne peut pas. Ah mince. Ah mince. Non, mais c'est pas du tout comme ça. C'est vraiment pas du tout comme ça. Alors. En fait, c'est le bleu qui me perturbe. Parce que là, ce bleu, je trouve pas de moyen vraiment, enfin, à part comme ça. Ah bah ouais, si.
Là, ici. Ouais, non. Là, c'est pas bon. C'est super chaud. Ouais, non, mais là, j'ai perdu, quoi. Ouh là là. J'arrive absolument pas à comprendre. Il y a un truc, là, qui m'échappe. Des bleus, je crois qu'il n'y en a que 4. Dans tous les cas, il n'y en a que 4. Donc, faut faire avec. Oh! Je viens de comprendre un truc. Ok, j'ai compris un truc. J'ai compris un truc assez essentiel, en fait. Voilà. Donc là, en fait, quand on balance le jaune ici et le jaune là, c'est parfait. Parce qu'ensuite, tout tombe exactement comme ça. Donc, exactement comme il faut. Ok! Ouf! C'était quand même assez... assez tordu comme niveau, mais au final, on s'en est sorti. Voilà, et donc là, il y a exactement celui qu'il faut. Et voilà, on s'en mérite 3 étoiles là. Je trouve que je me suis bien battu. 3 étoiles arc-en-ciel, ouais. Non, en fait, c'était assez tordu, mais bon, une fois qu'on avait trouvé la solution, et on vient de gagner Kid Icarus. Kid Icarus que j'ai vraiment pas envie de faire tout de suite, parce que ça, c'est super, super galère. Vous pouvez pas imaginer à quel point. Oh là là. Mon dieu, en plus, bah, c'est le premier niveau. Les enfers. Enfin, les enfers, pas parce que c'est les enfers, genre c'est horrible, mais les enfers parce que c'est vraiment. On commence dans les enfers en fait. Alors, bon, bah, vu qu'on a un peu de temps, on va faire un peu de remix 1. On va faire du Kirby, je crois. Ramasser toutes les pièces. Ok, du Kirby Mario. Oh, c'est stylé. Voilà. Ok, par contre, on peut pas ramasser les pièces en. Allez. Allez, allez. Voilà. En parlant de Kirby, d'ailleurs, vu que le jeu sort le 2 mai aux États-Unis, je vais très prochainement faire le let's play de Kirby's Triple Deluxe. Je pense que je vais commencer à le tourner dès vendredi, donc dès vendredi 2 mai, en même temps que Mario Golf. Je vais tourner un épisode de Mario Golf et un épisode de Kirby. Mais après, vu ma connexion et le traitement que ça va prendre, je sais pas, je sais que j'en sortirai un samedi et un dimanche. Donc à vous de me dire si vous préférez voir Mario Golf d'abord ou Kirby d'abord. Ça dépendra. Alors, on continue. Donc là, c'est Peach dans Super Mario Bros. 3. Peach de Super Mario Bros. 2. Entrer dans le tuyau sans subir de dégâts. Ouf. Donc Peach peut voler, hein. C'est son pouvoir dans Super Mario Bros. 2. Oula. Ouais, bon, je comprends pas trop la physique des trucs. De toute façon, on ne peut pas subir de dégâts, il n'y a pas d'ennemi. Ah si, il y a un ennemi. Voilà. Ok, en plus, il y a un ennemi juste à la fin, histoire de bien nous piéger. Non, mais c'est bon. Voilà. Eh bien, super. Donc, là, on va commencer. Enfin, on va continuer. Donc, Kirby avec des boues. Ok, mince, oula. Ok, donc en gros, faut battre Wispy Wood sans que les boues s'approchent trop. Allez. Bon, attention, il arrive même pas à me toucher, donc en partant de ce principe. Voilà. Et c'est bon. Oh, il y a un petit Luigi qui est tombé, je sais pas si vous avez vu, mais il y a un petit sprite de Luigi qui est tombé de l'arbre. Je croyais que l'année de Luigi était terminée, mais apparemment pour Nintendo, il continue de faire encore des petits clins d'œil. Pourquoi pas? Alors. Super. Ouais, on gagne Peach de Super Mario Bros. 3. Ça, c'est quand il nous envoie une lettre. Alors. La Super Mario Bros. 3 avec je ne sais quoi. Ah, entre juste Super Mario Bros. 3. Entrer dans le tuyau. Qu'est-ce qu'il y a de spécial? À part des effets graphiques un peu chelous, je vois pas ce qu'il y a de particulier dans ce niveau. Et des canons un peu partout aussi. Ah mince! C'est vrai que dans Super Mario Bros. 3, le champi va toujours à l'inverse de nous. Dans les nouveaux Mario, les champis vont toujours en fait à droite. Quoi qu'il arrive, ils vont à droite. Mais là, dans Super Mario Bros. 3, en fait, ils vont toujours à l'inverse de nous. Et ça, j'oublie tout le temps. Bon, ok, apparemment, il peut y avoir qu'un seul Bilball à l'écran. Bah, comment j'ai fait mon compte? Allez. Bon, pourtant, c'est pas bien dur normalement. Je sais pas s'il va falloir le battre le boss en plus. J'espère pas quand même. Ah bah non, ok, il peut y avoir deux Bilball à l'écran. Voilà. Oh mince! Ok, c'était bien la peine de se battre pour essayer d'avoir le champi.
Surtout qu'il n'y a qu'un seul champi par niveau. Enfin, dans les niveaux comme ça. Allez, voilà. J'ai perdu du temps à entrer dedans, par contre. J'aurais pas 3 étoiles arc-en-ciel. Non. J'ai 3 étoiles quand même, ok. J'aurais pas dû perdre du temps à entrer dedans, en fait. J'aurais dû rester vers la droite de l'écran. Tant pis. Oula, Super Mario Bros. 2 avec le Subspace. Ramasser 5 cerises. Les cerises, on les trouve là? Non. Allez. Bah, elles sont où les cerises? Ah, voilà. Ça, c'est le premier niveau, il me semble. Ah non, c'est pas le premier niveau, en fait. Oula. Le Subspace, il fait quand même perdre la notion de certains espaces. Bon, elles sont où les cerises? Ok. Bon, tant pis. J'aurais bien aimé jouer avec Peach, là. Allez, toi, viens. Comme ça, ça me fait un truc de secours. Bah, les collisions dans ce jeu sont très bizarres. Genre, des fois, on loupe des trucs sans le faire exprès. Enfin, généralement, quand on loupe des trucs, on le fait pas exprès, mais vous voyez ce que je veux dire. Oula! Mais c'était quoi cette histoire? Normalement, ils doivent être synchro. Là, ils l'étaient pas. Tant pis. Bah, oh non, ça commence fort. Bon, je ne cours pas, hein. C'est pas grave si j'ai pas tous les points. Ouh! C'est vrai que c'est pas des légumes, ils passent pas à travers le mur. Les légumes passent à travers le mur, mais pas eux. Voilà, donc comme quand je vous disais que Super Mario Bros. 2 était l'un des Mario que je connaissais le plus, et ça n'empêche que la physique est super chelou, et que j'ai jamais vraiment réussi à maîtriser la moitié des trucs. Alors, contrairement à Super Mario Bros. 3, où à force d'habitude, bah, on devient bon, là, c'est, je sais pas ce qu'il faut faire pour devenir bon à ce jeu, mais c'est très bizarre. Voilà. Ah, là, il y a un bloc pot. Qui devrait faire venir un cœur, normalement, mais bon. Peut-être pas dans cette version. Voilà. Super. Puis il y avait une petite étoile qui est apparue. Bon, on a quand même eu 3 étoiles alors qu'on a fait que de marcher. Pourquoi pas. Moi, ça m'arrange. Oh, Peach de Super Mario Bros. 2, cette fois. On gardera peut-être à la fin de l'épisode les tampons qu'on a, si jamais j'y pense. Ce qui n'est pas sûr. Alors, avaler 20 œufs. Comment on... Ok, c'est avec A. Oh, c'est cool comme jeu. Mince. Ah, ok, première bombe, on meurt. Ok, c'est marrant comme jeu. Allez. Ça ressemble un peu à un Game & Watch, avant l'heure. Faut gérer un peu la physique. Wow, mais mon dieu, mais comment on peut savoir à la fin? À la fin, c'est chaud quand même. Donc je crois qu'il tire 30 œufs, hein. Donc j'ai droit à 10 ratés. Allez, c'est bon. Ouf. Bon, c'était chaud, hein, parce qu'à la fin, il balançait pas mal de bombes, et la caméra était suffisamment rapprochée pour nous perdre. Oh, Super Mario Bros. 2. Super Mario Bros. 2, donc le vrai, qui s'appelle The Lost Level, Levels, ici en Occident. Je vous en parlerai quand on fera le jeu, mais je pense que ce sera le dernier qu'on va faire. Parce que là, enfin, il n'y a que 7 stages, mais c'est super chaud. Ça me fait peur. Rien que de le voir. Alors, là, arracher 2 touffes d'herbe, bah faudrait déjà en trouver. Bah, ok, je sais pas pourquoi le temps s'est figé. On va faire demi-tour. Ah non, ok, mais... C'est vrai que Toad a beau être super fort, il a des sauts très mauvais. C'est comme dans 3D World, en fait. Voilà. Super. En plus, on avait récolté une vie et éliminé un virus. Bah, on va comment... Allez, vas-y. Je sais pas. Allez. Mince. Oh, j'ai eu peur. Ok. Ceux qui ne montraient plus les couleurs. C'est bon. Ça, c'est de nouveau un mix. Donc, ramasser 6 pièces... mince. Ok, j'ai voulu rebondir sur le truc, mais comme je vole, ça m'a un peu perturbé. Oula! Ok, pourquoi pas. Mince! Bah, elle arrive plus à revoler une fois qu'elle a mis les pieds sur un truc comme ça, on dirait. Allez. Bah, si, peut-être, en fait. J'ai pas trop compris. Voilà. Bon, maintenant, on arrive à... Oh, batté boum boum, avec peu de lumière. Bah, il y avait un petit Luigi qui se sauvait. Voilà, allez. Super. Mince. Ouf, j'ai eu peur. Et voilà, c'est bon. Boum boum, vraiment, quand on te connaît la technique, il n'y a vraiment aucun problème. 3 étoiles, super. Et arc-en-ciel.
Ça va, il était assez facile comme mix. Bref. Bon. On va en faire encore un dernier. Après, je vous montre les tampons. On s'arrêtera là pour cet épisode, hein. Éliminer les ennemis. Ok, donc là, on est Todd. Ah, super. Ah, non, c'est vrai que ça se balance comme ça. Oula. Mince, non, c'est vrai qu'on pourra pas y aller là-haut, je crois. Ah, mince, on peut pas. Ah, bah si, ok. C'est tout. Tout bêtement. Ah, pas arc-en-ciel par contre. Parce que je pensais qu'il fallait empiler les blocs pour pouvoir monter. Tant pis. Voilà. On a pas mal progressé dans les remixes Time in Reverse, plus que deux qu'on a débloqués. Bon, dans l'épisode prochain, on fera donc Super Mario Bros. 2. Qui est en x2 en plus aujourd'hui. Bref, mince. Non, c'est pas là. Alors, donc Y. Allez. Ouais, Y. Alors, qu'est-ce qu'on a? Donc, on a. Bon. Page 1. On a. Ouais, bon, ok. Mario en Tanuki, donc c'est Super Mario Bros. 3, Kirby. Docteur Mario, Mario Bros 2, Mario Bros 2 encore. Là, c'est Punch-Out, Zelda 2, Wario. Enfin, Wario's Wood, Kid Icarus, Metroid. Ça, je sais pas. Ah, ce Lost Levels. Ensuite, oh, ça, des petits trucs de Mario Bros 3. Hein. Ça, c'est une page que Mario Bros 3, en fait. Ah ouais, ça aussi, c'est Mario Bros 3. Ça me paraissait être Mario Bros 2, pourquoi pas. Là, Docteur Mario. Et c'est globalement tout, en fait. Ok, après, on revient au début. Bon. Vous avez vu pour l'instant ce que j'ai. Donc en tout cas, merci à tous d'avoir suivi cet épisode de NES Remix 2. Et on se retrouve bah, très bientôt pour la suite. Voilà. Bye!